into the internet social network. His Excellency Ousseini, Nigerian politician. He has extensive experience in the area of management, administration, economy, and transportation. He has been president of National Assembly since March 2012 and 2016. He was personally involved during the inauguration ceremony of IPP Niger. Please join me and let us welcome on the stage His Excellency Tinni Ousseini. Mesdames et Messieurs, bonjour. C'est pour la première fois que j'assiste à une telle rencontre. Je suis agréablement surpris par la volonté commune de cette structure, de cette organisation, de s'unir pour la paix, au-delà des frontières, au-delà des diversités culturelles et religieuses, et au-delà des affinités politiques. Je viens de traverser continent, océan et mer pour arriver dans ce beau pays dont la bonne renommée vole aussi loin que ces grands oiseaux migrateurs qui se rient des distances. Je vous arrive de très loin avec la paix, la fraternité et le cordial salut des Nigériens, peuple social qui n'a jamais aspiré qu'à la quiétude indispensable au progrès et au développement. Je vous arrive du Niger, pays dont l'essentiel de la population partage la religion musulmane, religion dont le livre saint, le Coran, professe la fraternité de tous les croyants à travers le verset 10 de la sourate 49 qui mérite d'être étudié en profondeur et expliqué à l'humanité tout entière. Il dit ceci, les croyants ne sont que des frères, établissez la concorde entre vos frères et créez Allah, afin qu'on puisse, qu'on fasse miséricorde. Je pense qu'il est inutile que je vous fasse remarquer qu'on n'en parle ici de croyants, de tous les croyants. À mon sens, ce verset contient toute la dimension universelle de l'islam, l'impératif de paix qui professe, ainsi que sa réaffirmation de l'unité de l'humanité. Unité qui est encore davantage explicitée par le verset 13 de la même sourate, dont je cite la première phrase. Ô homme, nous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous connaissiez. Depuis toujours nourri de l'enseignement de ce noble livre, comment puis-je me dérober à l'invitation d'une organisation comme celle-ci, dont le paradigme de base est la fraternité universelle? Comment décliner l'invitation d'une organisation dont les objectifs lui ont valu le statut consultatif général auprès du Conseil économique et social des Nations Unies? De plus, le Nigérien et l'Africain que je suis ne saurait ignorer une organisation qui professe la paix, la spiritualité, la valorisation de la famille, l'altruisme, l'unité qui transcende race, religion et nation. Après tout, de la période coloniale à nos jours, les leaders africains n'ont pas revendiqué mieux que l'observation de ces grands principes. Et aujourd'hui, dans mon pays, la renaissance culturelle à laquelle le président de la République, son Excellence Sesson Mamadou, appelle les Nigériens partage ses nobles idéaux à travers son projet de trois modernisations sociales et politiques. Et économique. Ainsi, s'agissant de la modernisation sociale, le président devrait dire la modernisation que nous voulons pour le Niger, c'est la cohésion et la stabilisation de la cellule familiale, cimentée par la solidarité qui bannit la paresse, l'oisiveté, la mendicité et la mentalité d'assister.